Ah, vraiment. Notre langue, la langue maternelle est en train de disparaître. La langue maternelle disparaît. Les jeunes d'aujourd'hui, ou Kongkorzumi, là-bas, ils n'aiment pas aller au village. Les vacances, ils n'aiment pas aller. Les congés de Pâques, non. Ou Kongkorzumi, Tchanda, Douala, pour Yaoundé. Ils ne veulent pas aller. Quand on dit que tu vas leur passer les vacances au village, oh, oh, les chics, oh, 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 ils croient, les chics vont entrer dans mes pieds, il n'y a rien au village. À notre époque, quand on dit qu'on va aller au village, pour nous, on église, pour nous, on dansait, on était content. Parce qu'on va aller récolter le mbiak, le mbaté, avec le ngéfi, avec la grammaire. Aujourd'hui, les jeunes, on dit, vous allez aller au village, hein? C'est le problème. Je ne pars pas moi au village. Jusqu'à d'autres fuis même. Vous ne partez pas au village, vous allez faire comment pour parler le patois? C'est ça qui fait, vous ne parlez pas vos dialectes. Vous ne parlez pas les langues maternelles. Maman, pour manger, vous apprenez à parler le patois aux enfants. Pour maman, ça va, bien ici, poupi. Non. Parlez le patois aux enfants. Pour maman, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent plus parler le patois. Ils ne connaissent pas parler la langue maternelle. Même ici en Europe, un jour, ta papa de 45 ans, il te dit, je suis Bashingu. Mais il ne connaît rien en Bashingu. Je suis Bassa. Il ne connaît rien en Bassa. Je suis Bafia. Je l'ai juste sauvé. Il me bat l'air. Il sort ses gros yeux comme la grenouille gouillette. Ndorso. Mimanjou. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Allez au village passer les vacances. Maman, peut manger. Parlez le patois aux enfants. Parlez le patois. Nos langues maternelles sont en train de disparaître. Peut manger. Apprenez à vos enfants le patois. Voilà.